Bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission, c'est écrit, l'émission consacrée au livre sur la RTB. Celui que je reçois ce soir commence à être un habitué de cette émission. C'est l'un des doyens de la presse au Burkina. Sa plume élevée, alerte et belle, nous avait habitués aux plus beaux éditoriaux de la presse écrite au Burkina de tous les temps. Il est fondateur d'un groupe de presse qui comprend un quotidien, une radio, un hebdo, un mensuel. Pour certains, il avait pris sa retraite, mais ces dernières années, le rythme de ses publications littéraires a fini par nous convaincre que le journaliste a toujours habité ce pionnier de la presse au Burkina. Bourema Jérémy Sigué, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est auteur de plusieurs essais littéraires, dont « Faut-il désespérer de l'Afrique » ou « Médias et gouvernance, le sel et le poison » ou encore « La faillite du chef d'État africain ». Et ce soir, il vient nous présenter « Qu'as-tu fait de ton beau pays ?», un livre publié cette année même, au mois de mai, aux éditions Le Pays. Bourema Jérémy Sigué, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir partager le contenu de votre essai littéraire avec nous, « Qu'as-tu fait de ton beau pays ?», une contribution à la lutte contre l'incivisme qui sévit dans notre pays. On vous croyait finalement à la retraite, mais on a comme l'impression que, comme le vin qui se bonifie avec le temps, le talent littéraire, pour ne pas dire la hargne de l'auteur, ne fait que croître. En l'espace de 4 ans, vous avez plusieurs publications. D'où vous vient cette énergie ? Cette énergie me vient des idées que je porte dans mes tripes. Cette énergie me vient de ce que je vois autour de moi. Cette énergie me vient de ma volonté d'apporter ma contribution à l'édification de mon pays. En s'inscrivant dans cette logique, dans cette perspective, vous nous produisez ce formidable ouvrage « Qu'as-tu fait de ton beau pays ?». Je l'ai dit, une contribution contre l'incivisme qui sévit ici au Burkina. Le livre s'ouvre sur une lucarne, celle de l'histoire, ou celle sur l'histoire, où vous comparez la Première République et la Seconde République par rapport à la Quatrième République et la Troisième que nous avons connue dans ce pays. Oui, la Première République, je dirais, a fait ce qu'elle pouvait faire parce qu'elle avait cette excuse d'être jeune, de sortir à peine des entrailles de l'esclavage, hein, de la domination coloniale, du colonialisme. Et donc, néanmoins, par rapport à ce qu'elle a fait, c'est louable. Jusqu'à ce 3 janvier 1966, où le peuple voltaïque a estimé qu'il y avait des dérives impardonnables, et elle l'a manifesté, et la mise à mort de la Première République est intervenue du fait justement de cette volonté du peuple qui ne voulait plus accepter, continuer d'accepter ces dérives-là. Maintenant, quand la Deuxième République est arrivée, c'est avec la Misana, évidemment, la Misana, on peut dire que c'est à son corps défendant qu'il a pris les choses de la République en main et n'a jamais pensé que cela arriverait un jour. Et il a travaillé avec un esprit républicain très remarqué, très remarquable, et il a continué l'édification de ce pays. Et jusqu'en 1980, il n'a fait que bâtir, soit près de 14 ans, pendant 14 ans, il a fait ce qu'il pouvait également, mais aux dernières années de son magistère, tout a commencé à aller dans tous les sens. Il n'y avait pratiquement plus d'autorité de l'État, et malheureusement, ou heureusement, un quartieron donc de colonel a pris le pouvoir. César Bo en l'occurrence. Oui. Et qu'à cela ne tienne, vous dites, Bourema Jérémy Sigué, que le voltaïque était un concentré de valeurs, un condensé de vertus dont les principales étaient le courage, l'honnêteté et la dignité, à comparer aujourd'hui avec le Burkinabé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Le Burkinabé a tué le voltaïque. Mais est-ce que le Burkinabé a tué le voltaïque?
justement, il n'est, non, le Burkinabé, justement, ne se comporte pas en digne descendant du voltaïque aujourd'hui. Voilà. Et je pense que tant qu'on était voltaïque, on avait le sens du devoir, on avait le sens de la responsabilité, on avait le sens de la patrie. Tant qu'on était voltaïque, on avait le sens du partage. Tant qu'on était voltaïque, on avait le sens de l'honneur, du respect, de l'aider. Et toutes choses, finalement, qu'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui. Et dans votre livre, après la lucarne sur l'histoire, et vous revenez un peu à la source de l'incivisme. Pour vous, quelles sont les causes qui peuvent expliquer peut-être le comportement aujourd'hui de cet incivisme grandissant? Ben, la cause, c'est la gouvernance. Il ne faut pas avoir peur des mots. La cause, c'est la manière de diriger, c'est la manière de gouverner le peuple. La cause, il faut la rechercher du côté du berger. Le peuple est le troupeau et le berger est à la tête de ce troupeau. Donc, c'est le berger qui imprime la direction à suivre par le troupeau. Certains hauts responsables de ce pays disaient que la morale est en agonie dans ce pays. Et d'ailleurs, cette agonie de la morale n'a pas échappé, dans la 4e République, n'a pas échappé à votre attention, puisque dans la première partie de votre livre, vous revenez largement là-dessus, vous expliquez un peu que bien plus qu'une boutade, ça ne devrait pas l'être. Mais l'agonie de la morale est justement la conséquence de la mauvaise gouvernance, tout simplement. Mais je parlais plutôt de mise à mort de la morale qui est finalement intervenue. Parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à agoniser. Il faut bien qu'à partir d'un certain moment, soit elle se redresse, soit qu'elle meure. Or, malheureusement, il n'y a pas eu de redressement. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, il n'y a même plus de morale. Vous nous faites peur. Oui, mais malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la courte échelle. C'est la paresse, c'est le crime, c'est le mensonge, c'est toutes sortes de vilaines choses qu'on nous sert et qui, malheureusement, si on y prend garde, risquent de nous amener dans une direction encore plus dangereuse. Il faut y mettre fin, mais tout ça, encore une fois, relève de la gouvernance. Tout le monde reconnaît que ça ne va pas en termes de respect de nos valeurs ancestrales, de nos valeurs du temps où nous étions voltaïques. Mais finalement, rien n'est fait dans ce sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater à tout moment dans la vie sociale aujourd'hui. Et vous estimez que si on y prend garde, ce sont des mauvais signaux pour la 5e République naissante. Voilà. Parce que tant que, à mon avis, il n'y a pas de rupture avec tout ce que nous venons de dire, ben, demain risque d'être encore plus grave. Or, nous avons cette responsabilité morale de préparer l'avenir pour les enfants, pour notre descendance. Il faut penser à la postérité. Il faut croire que lorsque nous ne serons plus là, il doit être possible pour notre descendance de vivre décemment dans ses rapports à elle-même et dans ses rapports à l'extérieur, parce que nous sommes dans un contexte de globalisation. La planète est devenue un village du fait de technologies de l'information, c'est devenu un village global. Nous n'évoluons plus en vase clos. Et donc chacun à son niveau, chaque gouvernant à son niveau, au niveau de son pays, doit travailler justement à préserver la postérité dans ce qu'elle peut avoir comme valeur positive pour pouvoir faire face au reste du monde. Et vous dites que pour commencer, il faut commencer à ériger les hautes murailles contre ce fléau qui commence à saper les fondements de la nation, à détruire la cohésion sociale et à ébranler le patriotisme, ce qui en reste, ou encore ce qui en reste aujourd'hui. On a comme l'impression que vous êtes dépité vraiment par ce phénomène de l'incivisme. Mais moi, je pense que si on n'est pas dépité, ça veut dire qu'on n'a pas observé, on n'a pas vu. Et ça, c'est encore plus dangereux, c'est encore plus grave. Alors que les choses sont patentes, ça crève les yeux.
comme le nez dans un, sur un visage. Il faut effectivement observer pour s'en rendre compte que nos valeurs morales sont en train de foutre le camp. Si elles n'ont pas, si elles n'ont pas déjà foutu le camp. Et il faut redresser. Il faut une gouvernance ferme. Il faut que quand le citoyen, qu'il soit fonctionnaire ou pas, s'il commet un impair, qu'il soit sanctionné. À la hauteur de son forfait. S'il détourne, soyons plus terre à terre, s'il détourne le denier public, il faut qu'il soit identifié. Et s'il est reconnu qu'effectivement, c'est lui l'auteur, qu'il soit sanctionné. Parce que si on ne le sanctionne pas, on fait du tort à ceux qui se comportent de façon honnête. Et à la limite même, on l'encourage. On encourage ceux qui se comportent de façon honnête à faire comme celui qui se conduit mal. Parce qu'il faut éviter d'en arriver à la conclusion que la vertu est punie et le crime récompensé. Si la gouvernance ne prend pas ses responsabilités chaque fois qu'il y a des impairs, alors il fait du tort aux honnêtes citoyens qui seraient par la suite, qui seraient eux aussi tentés de faire comme les autres. Et Sophocle disait d'ailleurs que quand vous ne punissez pas celui qui est en tort, vous faites injustice à celui qui est vertueux. Donc il faut éviter cela. Or, malheureusement, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on voit. Et il faut une gouvernance vertueuse, forte, juste, sinon on ne s'en sortira pas. Et ça existe. Il y a des pays où, si vous touchez au dîner public, c'est la potence. Des pays, si vous touchez au dîner public, c'est reconnu comme tel, mais c'est la sanction suprême. Mais pourquoi nous, il faut qu'on en arrive là, à défaut d'en arriver complètement à ce stade, mais il faut au moins qu'on sanctionne assez pour la valeur pédagogique de l'acte, il faut qu'on sanctionne. Si vous ne sanctionnez pas, ben vous faites aveu de faiblesse, vous faites preuve de faiblesse, et cette faiblesse est très dangereuse pour la République. Et donc, une sorte de retour à l'intégrité du Burkinabé. Tout à fait. Et il faut bien qu'on colle avec notre appellation, qui aujourd'hui est totalement surannée. Quand on vous dit pays des hommes intègres aujourd'hui, moi ça me fait rire. C'est qui nous voulons tromper? C'est les étrangers? Ou bien c'est qui? C'est pas nous-mêmes. Nous savons qui nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux. Donc il faut absolument un redressement moral. Et ça, ça partira de la gouvernance qu'on peut opérer ce redressement moral. Une parole constituante qui pose les bases d'une nouvelle société, pour ne pas dire un nouveau contrat social que les Burkinabés doivent avoir. Tout à fait. Il faut un nouveau contrat social. Donc, et ça, ça demande la vision, ça demande du courage, ça demande le don de soi, ça demande du sacrifice. Mais combien sont-ils aujourd'hui à accepter ce sacrifice en tant que gouvernant? Des gens, apparemment, ça ne semble pas être tellement la préoccupation des gouvernants. Or, il faut justement ce genre d'hommes. On en a eu par le passé. Tout à fait. Et vous pensez à qui? Je pense à Thomas Sankara, c'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Vous parlez aussi de la typologie de l'incivisme, à commencer par l'incivisme routier, qui ne vous plaît pas du tout. On a comme l'impression que le Burkinabé se moque ou n'en a que du code Rousseau. Ben, il ne sait même pas ce que c'est. Vous avez plein de gens qui conduisent sans avoir jamais fait connaissance avec le code Rousseau. Vous avez des permis qui sont achetés, vous avez des permis volés, vous avez des gens qui n'ont jamais fait l'auto-école un seul jour, mais qui roulent. Il y en a, c'est plein. Et avec la corruption ambiante, tout ça est permis. Mais le problème, c'est que ces gens-là causent du tort à leurs concitoyens sur la voie publique. Vous voyez? Alors, si on continue comme ça, mais je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais si on continue comme ça, nous ne préparons pas justement nos enfants, notre descendance, à affronter le monde avec courage et honnêteté. Vous parlez aussi de l'incivisme fiscal. Oui. Pour vous, aujourd'hui au Burkina, c'est comme si
les citoyens ne sont pas égaux devant les institutions fiscales. Oui, bien sûr. On a vu ça pendant la 4e République. Les gens qui peuvent payer les impôts mais qui ne les payent pas. Ils doivent payer les impôts qui ne les payent pas. Et des gens qui sont régulièrement harcelés parce que, bon, ils n'ont pas de protecteurs, de parrains politiques et autres. Quelquefois, les agents des impôts, ils vont, c'est un opérateur économique, ils prennent l'initiative de faire consciencieusement le travail. Entre-temps, c'est le coup de fil qui arrive. Ah, il faut repartir, ça, c'est pas la peine, ils repartent. Et ils prennent leur clic, leur claque, et puis ils repartent. Ça, c'est plein de on a vu des cas comme ça, sur la 4e République. Maintenant, il faut espérer que ça ne va pas continuer. Or, tel que c'est parti, j'ai l'impression que ça risque de continuer. Parce que depuis l'insurrection, il n'y a pas eu de rupture véritable dans nos habitudes. Il n'y a pas de sanctions. Les détournements continuent. La corruption continue. Et tout cela dans l'impunité. Les surfacturations, les marchés de gré à gré, qui se traitent de façon indue. Mais tout ça, ça continue. On se croirait toujours, aujourd'hui, on se croirait toujours comme sous la 4e République. À l'ancien régime. Oui, sous l'ancien régime. Vous parlez aussi de l'incivisme sociétal. Oui, l'incivisme sociétal, oui. C'est quand, par exemple, le droit d'aînesse, ça n'existe plus. Le droit d'aînesse, c'est une valeur qui est en train de s'effilocher. Elle existe de moins en moins. Il n'y a pas le respect dû à l'aîné, non. Aujourd'hui, jusque même dans les campagnes, l'enfant ne se lève pas, ne cède pas sa place à son tonton qui vient d'arriver ou bien à sa tante qui vient d'arriver. Il était assis, il reste assis. Ce n'est pas son problème. Et ça, c'est grave. Mais tout ça parce que il manque jusqu'à présent ce sursaut moral qui doit être impulsé justement par le gouvernement. Voilà. Est-ce que l'argent aussi aujourd'hui, le pouvoir de l'argent n'a pas perverti les relations? Mais justement. De sorte que parfois aussi oui. Les aînés prêtent le flanc. Oui, mais c'est ça. Mais le pouvoir de l'argent, c'est réel. Mais tout ça, c'est parce que rien n'est moralement canalisé. Rien n'est moralement canalisé. Sinon, l'argent devrait... On doit éduquer les gens de manière à ce qu'ils voient l'argent, perçoivent l'argent comme un serviteur et non pas comme un maître. Or, aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la conclusion que les gens pensent que l'argent c'est le maître et non pas le serviteur. Or, on sait que l'argent est toujours mauvais maître. L'argent est toujours mauvais maître. Il faut l'amener à être un bon serviteur. Et quand l'argent devient votre maître, ça devient extrêmement grave. Et pour vous également, l'incivisme à l'école, l'incivisme scolaire, peut être à l'origine certainement de cette baisse du niveau, mais aussi de ces résultats catastrophiques qu'on constate d'année en année ici au Faso. Oui, l'incivisme scolaire, ça c'est encore une fois, c'est la résultante de la gouvernance. Les enfants, ils regardent leurs aînés, les enfants c'est comme des singes, hein. Ils nous imitent. Et ils finissent par comprendre que parfois, que l'école, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est la fin. Hein? Et donc, et la fin, c'est quoi pour eux? C'est l'argent, avoir l'argent. Et la manière de l'avoir, parfois, ça leur importe peu. Même s'ils doivent mentir, ils doivent tuer. Et c'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est pourquoi, moi, j'ai dit, il faut ramener l'instruction civique et morale dans toute sa plénitude dans les écoles. Il faut. Quand nous étions sous le joug colonial, il y avait l'instruction civique et morale. Vous voyez? Et c'était bien. Nous, les gens de ma génération, sont peut-être assis sur ces valeurs-là. On a eu des valeurs qui ont été justement sécrétées justement par l'instruction civique et morale. Du temps justement de la colonisation, jusqu'aux premières années de l'indépendance. Et vous décrivez un autre type d'incivisme dans votre ouvrage, l'incivisme
dans l'administration d'État, oui. où, comme on le dit, le poisson pourrit par la terre, oui. et on voit que l'administration centrale ne s'acquitte pas de ses dettes. On a un poids de plus en plus élevé de la dette intérieure, comme pour dire que l'État lui-même ne veut plus être un modèle. Ouais. Ça veut dire que l'insuisme d'État à ce niveau-là, c'est... Regardez, l'adage selon lequel l'État est mauvais payeur, ça se vérifie tous les jours. Dans les règles, une facture est payée 30 jours, 60 jours, 90 jours après sa libération. Mais quand vous avez affaire à l'État, il faut attendre peut-être 6 mois, peut-être même 1 an, peut-être même 2 ans. Et ça, ça, il faut graisser la patte voilà, à un commis de l'État. Je ne vous le fais pas dire. Voilà, oui. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains jeunes entrepreneurs ne veulent même pas avoir affaire à l'État. Parce que si tu as affaire à l'État, ben, tu risques de plier bagages avant même le premier déblocage de la tranche. Pour et votre... c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne si guerre. Si votre capital ne dépasse pas 30 millions. Voilà. Et vous avez un marché. Oui. C'est immobilisé. C'est immobilisé. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on se demande si on veut vraiment bâtir le Burkina Faso. On se demande si on veut vraiment bâtir le Burkina Faso. L'État lui-même qui devrait être l'exemple dans la diligence de paiement des factures reste totalement indifférent. Vous allez donner des coups de fil, vous allez faire de relance et tout et tout et tout, ce n'est pas leur problème. C'est comme s'ils attendent que vous fermiez pour que justement toutes ces créances-là restent en rade en leur faveur. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas un comportement de développement. Ce n'est pas un comportement de développement. Et dans le même temps, nous plaignons qu'on n'avance pas, qu'on est sous-développé. Mais une prestation qui a été faite mérite tout simplement d'être payée et payée dans les délais. Parce que l'État, le privé par exemple, je prends le privé pour exemple, ne peut pas se permettre de préfinancer tout le temps l'État. Parce que ça se passe comme s'il s'agissait d'un préfinancement. L'État qui veut telle prestation, vous vous endettez, vous prenez ceci, ceci, cela pour pouvoir le satisfaire. Et vous devez croiser les bras pendant au moins une année avant d'être payé. Ça fait incivique tout ça. Et on le constate dans la troisième partie de votre ouvrage, vous évoquez la contribution des personnes de ressources, notamment les personnalités de l'Église catholique ou encore le roi du Yatenga, Naba Kiba. Et qui ont aussi des paroles constituantes, et des paroles qui permettent effectivement de pouvoir faire bouger les lignes et dont on pourrait s'inspirer. Je crois que pour l'instant, et ce depuis toujours d'ailleurs, le dernier rempart reste l'Église. Reste l'Église. Et heureusement, dirait-on, qu'il y a l'Église. Quand je dis l'Église, c'est de façon globale, l'Église avec en lettres majuscules. Et l'autre rempart, c'est la chefferie traditionnelle. Mais elle aussi, il faut qu'elle commence à y prendre garde, parce que le politique, si elle n'y prend garde, risque finalement de la corrompre. Et donc, l'Église, les syndicats, qui constitue également un rempart, et la chefferie traditionnelle, comme je viens de le dire, la jeunesse, une certaine jeunesse, pas toute la jeunesse. Et donc, ce sont ces franges de la société-là qui, pour l'instant, continuent de demeurer, vaille que vaille, des remparts contre l'anéantissement total de nos valeurs. Et comment cette éducation civique et morale que vous appelez de tout votre vœu peut se mener aujourd'hui dans un contexte de désordre. Ben, il faut un ressaisissement collectif qui doit être encore une fois impulsé par la gouvernance, par le dirigeant, par le gouvernant. C'est sa tâche première. Quand ça commence à aller dans tous les sens, il faut sonner la lali et il faut que le gouvernant prenne ses responsabilités. Qu'il prenne conscience et qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui le guide et le peuple le suit. Merci à vous, Bourema Jérémy Sigué, d'être venu partager le contenu de votre ouvrage avec nous, « Qu'as-tu fait de ton beau pays ?»
un essai littéraire publié cette année même, en mai 2018, aux éditions Le Pays. Merci, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir à cette émission. Vous reviendrez quand vous le voulez. Merci beaucoup, M. Fousséni Kindo. Merci. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro de cet écrit. Au revoir.